Yo, salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Poké Abonné. Alors, dans l'épisode précédent, Spolio, plutôt Marie, nous avait rejoint. Et pourquoi je n'arrive pas à avancer? Ah voilà, ok. Marie nous avait rejoint. Maison coupe-coupe. Donc on a une équipe de 6 avec pas mal de types déjà. Ils ont grandi mais revient. Papa les a aidés. Il a fait utiliser coupe à son Pokémon pour qu'il déboise de terrain. D'accord. Ton air déterminé, la souplesse de tes mouvements. Oh, c'est des Poké abonnés bien entraînés. Tu as l'évidence, un youtubeur averti. Non, attends, ne dis rien. Je devine tout. Rien qu'à te voir. Je suis sûr que tu seras capable de faire bon usage de cette CS. Sois pas modeste, ni timide. Allez, prends-la. Et on obtient la CS coupe. Génial. Ok. Alors, on va l'apprendre à... C'est pas comme ça. Alors, sac. What? Ils sont pas compatibles. J'ai pas envie de l'apprendre à tout au feu, quoi. Putain, y'a personne qui est apte, y'a que le feu. Oh, fais chier. Qu'est-ce que je lui apprends? Je voulais pas lui apprendre ça, mais bon. Allez, on va prendre Balgren à Balayville au moins. Ok. Bon, dommage. Je pensais que Balayville pouvait l'apprendre. Peut-être que c'est son évolution, je sais pas. Je vois ça. Ce serait bien que je me dirige vers la prochaine arène et pas que je fouille un petit peu partout. Parce que moi, j'ai envie de fight. J'ai envie de combat. Petit combat. Ouais. École de dresseur de Pokémon. Si vous apprenez tout sur les Pokémon. Enfin les Poké abonnés plutôt. On va rentrer. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Les élèves qui ne travaillent pas n'ont qu'un petit échantillon de ma vive. Griffe. What? La manière dont tu utiliseras cet objet indiquera de façon évidente si tu apprends bien ou pas. Obtenu vive griffe, d'accord. Mets vive griffe dans poche. Ok. Ok. Tu sais combien certaines capacités peuvent troubler un Poké abonné? Oui, je sais. Je sais. J'ai vu pas mal de Poké abonnés en live, je te raconte pas. Un Poké abonné confus peut parfois se blesser sans le vouloir. Ok. Mais après le combat, il retrouve ses esprits. D'accord. Tu as une belle voix, tu sais. Mais où est la Poké arène? Où est l'arène abonnée? L'arène abonnée. Là où tous les abonnés se retrouvent. Sur un forum jeuxvideo.com, bien sûr. Ah, voilà l'arène. Quand tu auras le badge tout brillant en main, tu réaliseras ce qui t'attend en tant que youtubeur. Ouais. Hein? Mon Poké abonné est mignon, bien sûr, je le sais. Si tu veux, je suis d'accord pour te l'échanger. Je t'échange mon Granipiot contre un Tarsal. Ces types précis de Poké abonnés et de personnes trouvent ça si fascinant que je me balade un peu partout. Ouais. Enfin, fais gaffe, les Poké abonnés sont quand même un petit peu dangereux. Alors. Prends pas les dresseurs, enfin les youtubeurs d'arène à la légère. Tu vas voir pourquoi on est meilleur. Pourquoi? Vous êtes aussi sur Dailymotion, c'est pour ça? Un combat est lancé par Gamin. Oh, en plus, c'est un youtubeur qui court. Rakaillou. Très bien. Balayville, go. C'est le moment. Volvi. Bien.
joué. Allez, un dernier Volvi. Bien joué, Evil. Ça va être facile. Arène de type roi, je pense. 180. Je sais pas à quel niveau Baléville, Balignon plutôt. Enfin, Baléville évolue. Ok. Deux racailloux. Oh là là. Les racailles du quartier sont là. Je vais peut-être lui enlever tout au fond. Je veux pas partager l'XP donc. Griff ça fera rien. C'est super efficace. Un Volvi pour un PV quoi. Non mais please. Mais please. Arrêtez. Bah les vides m'ont tenu, c'est nickel. Ah, Vampigren. Oui. Qu'est-ce qu'on va virer? Charge parasport. J'ai envie d'enlever parasport. Ouais, je pense que je vais enlever parasport. Allez. Baléville oublie parasport et apprend Vampigraine. Nice. Toto monte au niveau 10. Il est temps d'apprendre Flamèche, enfin. Faut te réveiller Toto. On va enlever rugissement. 1, 2 et tada. Toto veut oublier rugissement et apprend Flamèche. Nice. Bon, c'est un peu mieux Griff. Avec le vol de vie, normalement, ça devrait le tuer. Nice. Très bien. Il fait un son bizarre, quand même. Un petit son bizarre. Alors, vol vie. Et toi, Flamèche. Normalement ça devrait le tuer. Allez vas-y 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 vas-y. Oui. Je sens la puissance en toi Evil. Nice. Ok. Ok, dernier Pokémon. Dernier Poké abonné. Dernier Poké abonné pour ces deux dresseurs. Et après je crois que c'est Roxane directement, la maîtresse de la reine. Attention, elle va nous taper sur elle. Ok, très bien. Ils vont tous les deux au niveau 11, donc c'est bien, ils ont gagné tous les deux 2 niveaux dans ce combat. C'est plutôt pas mal. J'aurais pu en profiter aussi pour monter Spolio, pour monter Maryl, mais bon voilà. Salut, je suis Roxane, championne de l'arène Pokémon de Merouville. Poké abonné plutôt. Je suis devenue championne. Champion ou champion? Je suis devenue champion pour appliquer dans les combats ce que j'ai appris à l'école de youtubeurs. Tu voudrais bien me montrer comment tu te bats? Avec quel Poké abonné? On va faire ça. Ouais d'accord. Ça marche. Mais tu peux arrêter de me montrer tes cuisses, s'il te plaît. Un combat est lancé par champion Roxane. Racaillou est envoyé par champion Roxane. Baléville, go! Allez, on va faire Volvi. Pour ne pas changer. Bon, si
super efficace, donc on va le garder quoi. Pas potion. Non, pas potion, mais pourquoi? Pourquoi tu utilises potion? Je déteste les dresseurs qui utilisent des potions, des grimoires. J'en utilise jamais. J'aime pas. Alors pourquoi eux le font? Non mais sérieux quoi. Pourquoi tu utilises pas le grim? Nickel. Non. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous envoyer maintenant? Un autre racaillou? Ouais. Alors, on va tester Palgren directement pour voir si c'est plus fort que Vampire. Que Volvi. Ça a l'air beaucoup plus fort. Nickel. Oh putain, c'est bien parce que du coup il a gagné pas mal de niveaux. Je sais pas vraiment, il faut que je regarde à quel niveau il évolue. Ça, ça va être plus chiant, je pense. C'est pas grand chose. Pas du tout. Alors pas du tout. Ah, oh, j'aurais dû mettre Vampigren. J'aurais dû lui mettre un Vampigren. C'est super efficace, ouais, on va dire ça. Ouais. Alors, on va lui mettre Vampigren et puis on lui fera Palgren. Voilà, comme ça on recevra des PV. Chaque tour. Nickel. Encore une potion, non mais please. Please, arrêtez. La tricherie, l'arnaque. Allez, on va battre Roxane avec Valéville. Nickel, il a touché 3 fois. Bien joué, Ville. Et là, normalement, il va prendre un niveau. Oh oui, plus facile. Ding. Bon, j'ai perdu. Apparemment, j'ai encore bien des choses à apprendre. Ouais, carrément. Je comprends. Les règles de la ligue Pokémon, enfin Poké-abonné, stipulent que le champion doit remettre ceci au youtubeur qui l'a battu. Alors accepte ce badge roche officiel de la ligue Poké-abonné. Ok. Ok. Pam pam. Nickel. Je kiffe la musique, elle va très bien avec moi et ma puissance et mes Poké-abonnés. Le badge roche augmente la puissance d'attaque de tes Pokémon. Il leur permet d'utiliser l'attaque de la CS Coupe en dehors des combats. Accepte également ceci. Obtenu, c'était 39. Normalement, c'est... Mince. Il nous l'a ajouté tout à l'heure. Voilà, tombe roche. Merci. La chute de pierre inflige des dommages et la vitesse diminue. Si tu utilises une CT, l'attaque est immédiatement enseignée à un Pokémon. Sache qu'une CT ne s'utilise qu'une fois. Réfléchis bien avant de t'en servir. D'accord. Ok, on a réussi la petite arène. Tranquillou bilou. On va soigner. Ah, dégage, hors de ma route. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Attends, je t'en prie. Rends-moi mon pack. Ah ah, pour ceux qui connaissent, hein. On va voir ça. D'abord, on va soigner nos Poké-abonnés. Ok.
prochaine fois peut-être. Peut-être. Plus. Oh, c'est toi. Tu es ce super youtubeur qui m'a aidé au bois Clémentine. Ouais, c'est moi. Aide-moi. La team Aqua m'a volé. Il faut que je récupère le pack d'Evon. Sinon, je vais avoir de graves problèmes. D'accord. J'y vais de ce pas. Un Darbob sauvage apparaît. Balayville, go! Bon, on va peut-être quitter. Surtout qu'il va pas me donner beaucoup d'XP, donc c'est pas grave. Ah, c'est super efficace. Je prends la fuite. Oui, je prends la fuite devant un Poké abonné. Bon, Chenipot, niveau 8. On va changer de Poké abonné. J'aurais dû changer d'ailleurs. Go Darbobs, à toi. Pas mal. C'est pas un Chenipot d'ailleurs, c'est un Chenilight. Et là en fait en réalisant cette série je me rends compte qu'il manque quand même pas mal de Pokémon dans Pixelmon. C'est pas vraiment une critique vu que déjà il y a beaucoup de Pokémon hein. Mais il manque pas mal. Enfin le mode serait beaucoup plus intéressant avec plus de Pokémon, enfin je pense. Oh putain j'ai oublié de changer Balayville. Pas énorme mais bon. Ah Vampire n'a pas fonctionné, ok j'avais pas vu. Ce n'est pas très efficace. C'est ce que je voulais, voilà, coup critique. Allez, une dernière charge et ce sera bon. Allez, allez, allez Evil, tu peux le faire. Nice. Bien joué. On va changer de Poké abonné, on va mettre Darbobs, parce qu'il y a pas mal de plantes, enfin il y a pas mal d'insectes et de plantes. Je pourrais mettre Toto mais bon. Allez on va se faire un dernier dresseur et puis ce sera sûrement la fin de l'épisode. Mon Pokémon. Mon Poké abonné est le roi. On regarde un peu. Ah bon, le roi de quoi? Le roi des abonnements. Il s'est abonné à 9000 chaînes le mec. Je vois pas si il y a 9000 chaînes. Darbobs, go! Du coup, je sais pas si c'est très très bien. On va tester quand même. Oh! Ah ouais, en fait, c'est super efficace. Je connais pas ma table de type. Puissance. Allez, pic pic, Darbobs. Nickel. Bien joué, Darbobs. Aïe, une coupure. Il faut que je me mette un pansement. Ouais, on va dire ça. Bon, les amis, je crois que ça sent la fin de l'épisode. On va continuer dans le prochain épisode. On ira
dans la grotte avec la team Aqua pour le pack Devon, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez ça dans le prochain épisode. Vous pouvez liker cet épisode si vous en avez envie. C'est juste le pouce en bas, hein. Si on peut essayer, on peut essayer d'avoir 15 likes. Allez, pour cette vidéo, si vous l'avez vraiment aimé, n'hésitez pas à liker. Et s'il y a 15 likes, je ferai un épisode hyper long au prochain. Salut.